12e journée, donc étape de Prolon à Saint-Hilaire-du-Harcouët. Donc Crolon hier où j'ai été reçu chez monsieur le maire, où il y a une petite réunion en mairie avec des élus, très sympathique. Voilà, on est allé ensuite monsieur le maire avec des amis, nous sommes allés dîner chez un petit restaurant en bord de route, super cool là où on mange des produits du terroir. D'une base entre autres d'agneau salé, voilà, bien sympathique, belle journée. Donc pour en revenir à aujourd'hui, donc Saint-Hilaire-du-Harcouët, donc une étape de 27 km 600 et on va recommencer à reprendre des dénivelés. Alors on va être aux alentours de 400 mètres, bon ça c'est pas non plus des gros dénivelés. Mais ça va monter et descendre tout du long avec quelques petits rapadous. Sinon ben, je lance un appel parce que pour à partir du dimanche 11, lundi 12 et mardi 13, donc j'ai trois étapes dans l'Orne. Donc Montméret le 11, le 12 Trémont et Soignies-Attrappes le 13, où a priori ça pose problème pour m'accueillir, donc c'est trois jours là dans l'Orne. Donc je lance un appel sur les réseaux sociaux s'il y a possibilité, si vous avez des cousins, des tontons, des tatas, des amis qui habitent dans l'Orne. Voilà, donc je lance un appel pour ces trois jours. Donc je dis le 11 à Montmeret, le 12 à Trémont et le 13 à Soignies-Attrappes. Sinon je dormirai sous la tente si les conditions météo le permettent. Sous réserve de trouver un endroit pour pouvoir poser la tente. Allez, je garde espoir. Bon, allez, une petite pause. On va en profiter parce que mes hôtes d'hier m'ont offert ce matin un pain au raisin pour la route. Donc là, je surplombe le site de l'ancien barrage de Vezin. Voilà. Donc là, il y avait un barrage. Voilà ce qu'il en reste des tas de concasser. On a ici, il y en a en face, voilà, des matériaux du barrage qui ont été recyclés.